You changed my life. You changed my world. You changed everything bad in my life. You changed my life. You changed my world. You changed everything bad in my life. You are my sunshine. You are my sunshine. Now you be my sunshine. You are my Tu t'amuses? Tu es en train de t'amuser? Tu veux ce que mon garde le fait pour toi? Tu veux qu'il le fasse pour toi? Gifle-les! Tu es en train de t'amuser? Tu es en train de t'amuser? Tu veux que mon garde le fasse pour toi? Hein? Tu veux qu'il le fasse pour toi? Gifle-les! Plus fort que ça! Continue, gifle-les! Donc tu ne répliques pas! Gifle-les! Gifle-les! Vous devez vous gifler! Je dis gifle-les! Mon prince, je vous en prie. Mon prince, pardon, je vous en prie. Maman, ce qui est en fait. Aie pitié, mon prince, je vous en prie. Ils ne vont plus les répéter, mon prince, je vous en prie, pardon. S'il vous plaît, mon prince, je vous en prie. Bien sûr, je vais le pardonner. Je veux le pardonner parce que tu t'es excusé à leur place. Mais avant tout, ils doivent apprendre. Mon prince, ne faites pas ça, je vous en prie. C'est une folie. C'est quoi ça? Aller battre un jeune garçon en présence de sa mère. Mais qu'est-ce qui t'a pris exactement, Emeka? Il n'y a rien qui me dérange, papa. Mais si c'est moi qui serai le prochain roi de ces royaumes, ils doivent apprendre comment me respecter. Bien, maman, s'il s'agit de gifler tout le monde du royaume, d'ailleurs, c'est ce que je dois faire exactement pour qu'ils apprennent. Vas-tu te taire? Le respect est réciproque. Mets-toi cela en tête. Je veux que tu m'écoutes. Non, papa, écoute-moi. Je t'ai trop écouté. Et l'unique raison qui me pousse de faire ceci parce que tu es le roi. J'aimerais qu'il le fasse à mon tour parce que je suis le prochain roi. Tu sais quoi? Finis avec cette discussion. J'ai parcouru un long trajet et j'ai besoin du repos. Qu'est-ce qu'il y a encore? Nous sommes ensemble, ça fait des semaines, non? Et tout ce que nous faisons, c'est toujours le sexe. Quoi d'autre nous sommes supposés à faire, chérie? Quoi d'autre? Qui sommes-nous? Excuse-moi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Qui sommes-nous? Dégage! Dégage! Sors vite de ma chambre. Es-tu folle? Comment oses-tu me poser ce genre de questions stupides? Qui es-tu? Laisse-moi prendre mes habits, non? Je te dégage. Tu as l'audace de me poser la question. Mais nous allons. Sors vite de ma chambre. Quelle bêtise. Tu te précipites de savoir ce que tu dois devenir. Alors,
Pouvons-nous faire maintenant la révision sur l'évaluation de la personnalité? Oui. Je pense que nous sommes fatigués. Oh, allez. Vous savez même pas ce qu'on va demander après nous. Regardez ces tests. C'est pas facile, oh. Hein? Si j'étais à votre place, je saisirais toutes les opportunités et je vais apprendre. Et croyez-moi, il y a beaucoup à apprendre. Merci. Merci beaucoup. Merci. Nous apprécions ce que tu fais pour c'est bon. Nous. C'est bon, c'est rien, d'accord? C'est en fait mon plaisir. Juste rappelez-vous, à chaque fois que vous devez apprendre, ouais. Appelez-moi, je serai là. Ok. Il faut revenir pour nous enseigner. Bien. Es-tu prêt à nous enseigner? Moi? Es-tu prêt à nous donner cours? Oui, mais bien sûr, je veux dire que ceci... Je crois que vous avez fini avec mon petit ami, n'est-ce pas? Hein? Chérie, je vais te voir. Tout de suite, c'est une urgence. Excusez-moi, s'il vous plaît. Oui. Oui. D'accord. Je disais, hein? Je vais te voir. Sont-elles plus importantes que moi? Allons-y, maintenant. D'accord. Le prince est là. Oui, c'est ici. Ok. Arrête-toi. Que crois-tu faire? Tu viens voir qui? C'est comme si tu ne me reconnaissais plus. Jeune fille, arrête d'échapper à ma question. Je dis, tu viens voir qui? Va à l'intérieur et dis au prince que Massé est ici pour le voir. Mon prince... Qu'est-ce que tu es venu faire? Qu'est-ce que tu es venu faire? Mon prince, tu m'as juste manqué. Ferme-la! Combien de fois t'ai-je déjà interdit de ne plus mettre tes pieds ici au palais sans pour autant me signaler? Combien de fois? Manqué. Alors je me suis dit de venir te rendre ici. Tu la fermes vite. Tu fais quoi? Alors dégage. Dégage. Sors vite. Sors de ce palais. Tu dois faire ton travail. Dégage. Quelle bêtise. Emeka! Emeka! Laisse-le tranquille. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive à ces garçons. Ils traitent durement les femmes. Oh. Dieu seul sait d'où il a ramassé ses sales habitudes. Ah. Hey. Ça ne ressemble pas à ma famille. Pas à ta famille non plus. Il ne sait même pas de nos études. Parce qu'il ne les a même pas terminées. Alors c'est quoi? Très bien. Je sais ce que je dois faire. Vraiment? Nous allons lui trouver une femme. Igwe, un jour, il risque de tuer cette fille. Non. Il ne fera pas une telle chose. Je vais lui trouver une très bonne femme qui va l'apprivoiser. C'est la meilleure chose que nous puissions faire pour lui. Au moins pour le moment. Je vais lui trouver une femme. Oh. Emeka. Je viens de te dire, laisse-le tranquille. Mais qu'est-ce que se passe enfin?
Et toi? Combien de fois que je vous ai déjà averti, vous, les personnes stupides de ce village, de s'agenouiller? Je dis, agenouille-toi quand tu me vois. Combien de fois? Je suis désolé, mon prince. Il est désolé. Hein? Tu es désolé. Hmm? Tu dis que tu es désolé. Hmm? Tu es désolé. Oh. Tu es désolé. Oh. Désolé, toi. Oh. Désolé de quoi? Hein? Tu es désolé. Oh. Hein? Désolé. Oh. Tu es désolé. Oh. Est-ce que tu peux t'imaginer de cette fille stupide de ce village? Est-ce que tu peux imaginer? Tu ne peux pas t'agenouiller quand tu vois le prince. Mais tu t'agenouilles? Arrête ça! Et qui es-tu pour me dicter ce que je dois faire? Qui es-tu? Sans vous manquer du respect, mon prince. C'est comme ça que tu traites tes sujets? Quelle audace! Qui es-tu vraiment pour m'apprendre? De quelle manière dois-je traiter les gens de mon royaume? Reste là! Arrête ça! Ne continue plus! Qui es-tu? Tu crois que ce peuple te laissera devenir leur roi? Pour ton information, je suis l'héritier du trône. Les prochains Igwe en ligne. Les prochains en ligne n'est pas un problème. Tu peux être le prochain en ligne, mais le peuple peut aussi refuser que tu sois un roi. Arrête, Abuchi! Laisse-moi tranquille! Laisse-moi dire des vérités à ces prochains rois qui sont en ligne. C'est à moi qu'elle parle avec cette arrogance. Quelle bêtise! Qu'est-ce qui t'a piqué pour vomir ces bêtises? Et même si tu devenais roi, tu n'auras personne pour diriger. Nous allons nous révolter contre toi et si nous ne le faisons pas, je veux les inciter à le faire. Je veux faire en sorte que tu ne deviennes pas roi même si ça va me coûter ma vie. Comment oses-tu? Nandi. Oui, mon prince. Qui est cette fille? J'en ai aucune idée, mon prince. Découvre pour moi. Oui, mon prince. Découvre pour moi. Ce n'est pas marrant. Tu dis, Tissom, t'as fait quoi? Je suis en train de te dire. Ça s'est passé quand j'étais juste allé voir Chinasa et Anadou. Hey, Pucci, je pense que cette vie t'aime. C'est pourquoi. Mais oui. Aimé? Je te l'ai dit. Tissom, qui m'avait quitté pour un autre homme. Et maintenant, il est en train de jouer avec mes sentiments. Elle croit qu'elle peut retourner chez moi et je vais les recevoir. Uchi, sois posé. Si tu aimes cette fille, je sais que tu l'aimes, tu peux la pardonner. Pardonne cette fille. Je l'aime plus. Uchi, tu es sûr? Uchi, tu es sûr? Uchi, mon pote. Pardonne cette fille. C'est fini. Je ne suis plus avec elle. Ton visage quand t'es fâché. Mon prince, qu'est-ce que vous faites ici? Alors, c'est ici que tu habites? Tu n'es même pas de la famille riche et tu... Ah, t'inquiète. Mon prince, bonsoir.
tu sembles connaître beaucoup plus sur mon peuple que moi. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il y a? Soudainement, tu ne parles plus. Pourtant, tu parles beaucoup, tu me l'as prouvé lorsque nous sommes rencontrés. Sans vous manquer du respect, mon prince, ça ce n'est pas l'air de visite et surtout quand ce n'est pas important. C'est vrai? Bien, Adugo, je suis venu ici personnellement t'inviter pour que tu viennes demain au palais. Pourquoi? Pour parler. Désolé mon prince, ça ne serait pas possible. J'ai d'autres programmes. Quel programme? Je voyage. C'est intéressant. Tu voyages? Ok, quand est-ce que tu seras de retour? La semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est bien. Alors, je dois te voir au palais lundi de la semaine prochaine. Et c'est un ordre. Adugo, c'est quoi tout ça? Ce n'est rien, maman. Qu'est-ce que ça signifie, ce n'est rien? Tu étais là en train de parler avec le prince, je sais quoi, et tu me dis qu'il n'y a rien. Maman, ce n'est rien, non, c'est rien, je t'ai dit, il n'y a rien. Non, 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 il y a quelque chose. Mais c'est quoi ça? Le prince... Adugo. Et elle me dit qu'il n'y a rien. Gucci? Pardonne-moi, s'il te plaît. Je t'aime toujours. Ce que je ressens pour toi est plus fort que moi. Mes parents m'ont poussé à aimer Olodi juste à cause de son argent. Je sais que tu m'aimes toujours. J'ai pu le voir quand tu me regardes. Tout ce que je demande, c'est une dernière chance. S'il te plaît. S'il te plaît. Mon amour. Non, non, je ne peux pas faire ça. Non, je ne peux pas faire ça. Non. S'il te plaît, arrête, 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 d'accord? Je ne peux pas le faire, je ne peux le faire, c'est fini. Et c'est fini, d'accord? S'il te plaît, ne dis pas ça, Gucci. C'est bon, j'ai compris. Je te laisse juste le temps de réfléchir sur ça. Pense à cet amour. Gucci, je ne peux pas arrêter de croire en nous. Et je ne vais jamais arrêter de m'excuser. Jusqu'à ce que tu trouveras une place pour me pardonner. Et je sais que tu le feras. Sache juste que je t'aime. Et je ne vais jamais arrêter de t'aimer. S'il te plaît, mon amour. Je comprends ce que tu as dit. Bonne journée. Toi aussi. Ma chère, j'étais choquée de voir le prince ici, chez nous à la maison. Il est personnellement venu m'inviter ici pour le palais. Tu peux imaginer ça? Hey, alors, qu'est-ce que tu avais dit? Qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? Je lui ai dit que je vais voyager. C'est mieux, oh. Heureusement, tout le monde connaît le prince. Il t'invitera dans sa maison et il couchera avec toi comme il le fait avec toutes les filles de ce village.
Fais attention, oh. Mais il a dit que j'aille là-bas de mon retour de voyage. Hé! Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu crois que j'irai? Je n'irai pas où? Ah, Dougo, es-tu sûre? Je n'irai pas où? Tout le monde connaît le prince. Il n'est pas une bonne personne. Qu'il fasse ce qu'il veut, je n'irai pas. Ah, Dougo. Quoi encore? Est-elle déjà là? Non, mon prince. Comment ose-t-elle? Montons dans la voiture. Adougo! 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 Où est ta fille? Je ne sais pas. C'est vrai? Comment oses-tu me tromper? Où est ta fille? Elle n'est pas là. C'est vrai? Garde, cherchez-la. Si je découvre que vraiment tu me trompes, femme, au cas où je découvre que certainement tu caches cette fille irrespectable. Je suis sûr que tu en connais les conséquences. Mon prince, elle n'est pas là. Je ne l'ai pas trouvée, mon prince. Qu'est-ce que tu veux dire par « tu ne la vois pas » ? Je reviendrai. Je te le promets que je rentrerai. Salut. Wow. Avez-vous vu ma reine? Oh. Comment elle est en train de briller? Tu as rendu tes servantes jalouses. Vraiment. Très beau ce que tu Merci. Penses. Merci. Alors, qui a fait ça? Tu sais, non? C'est la même personne. tu avais dit que tu voulais changer de goût. Mais je pense que non, c'est si aussi me bon. Va très bien. Hein? C'est bon. Ouais, c'est bon comme ça. Laisse-moi servir mon mari. Tu en as le droit, bien sûr. Santé, à nous et au succès du royaume. Oui, oh, amen. Oui, je me rappelle. C'est lui qui a donné cette notion à Emeka. Que pour être un roi, il faut être un tyran. Lui a rendu un mauvais service. Ah, vraiment? Mais c'est quel genre d'histoire comme ça? Je n'arrive pas à comprendre. Ah. Alors? Je pense qu'il va changer. Il va changer? Oui. Quand il va passer les tests pour le trône, c'est en ce moment qu'il va comprendre qu'il doit vraiment changer. Test du trône, tu dis? Bien sûr. Laisse-moi t'assurer.
Emeka ne sentira même pas l'odeur de ce trône s'il ne change pas. Héritier au trône, mais il n'est même pas disposé à prendre sous le règne de son père. Il ne sait pas ce que je fais en tant que roi. Il est où? Il est sorti. Oh, le voilà, c'est maintenant qu'il arrive. Pourquoi tu n'es pas content? Parle-moi. Maman, c'est à cause de cette fille stupide. Cette fille stupide et irrespectable. Elle ne sait même pas comment contrôler sa bouche, maman. Est-ce que tu peux le croire? Je l'ai invitée au palais. Moi, le prochain Igwe de ce royaume, mais elle a rejeté mon invitation. Maman, elle m'a même pris pour un tyran. Elle m'a taxé d'un vantard sans avoir peur. Tu peux l'imaginer? Je t'ai jamais vu parler de cette manière à une personne. Surtout aux femmes. Qu'est-ce que tu fais d'elle? Tu l'aimes? Maman, c'est la même chose qui s'est dit ici. N'est-ce pas? Si j'aimais vraiment cette fille, je n'allais pas aller dans sa maison pour essayer de la menacer. Quoi? Chukwu Emeka, quel genre de personne es-tu? Tu dois aller t'excuser auprès de cette fille, c'est compris? N'importe quoi. Et je vais te donner quelques cadeaux pour elle. Tu vas la porter quand tu iras t'excuser. N'importe quoi. Igwe, je pense qu'il est temps de trouver à ton fils une femme. Quand est-ce que tu trouveras une femme pour lui? Ne t'inquiète pas, mon amour. Je prends juste mon temps. Ah. Quand Emeka va la voir, il ne tombera pas seulement amoureux d'elle, mais il tombera désespérément amoureux d'elle. Vraiment? Je te le promets. Oh. Honnêtement, il me fallait prendre du temps pour lui trouver la meilleure. Je t'ai fait confiance. Quand est-ce que tu viendras avec elle? Ah, très bientôt. Très, très bientôt. S'il te plaît, je ne peux pas attendre. Ce ne sont que des menaces, tout ça. Très, très bientôt, il la verra. Il descendra de lui-même, de son cheval. Il ne parle plus à personne. Il ne regarde personne. Il ne fait que crier. Tu sais, je ne comprends pas. C'est une question de temps. Chiwendo! Chiwendo! Vraiment, c'est compliqué. Oh. Ouais. Ouais, alors, pour ce genre d'histoire, il faut de la patience. Cet enfant m'est beaucoup fatigué. De patience. Il ne parle plus à personne. Je suis fatiguée. Je ne sais plus quoi faire. Je suis fatiguée. Il ne fait que crier. Il ne fait que crier. C'est pourquoi j'ai dit, attends voir celle que j'ai choisie pour lui. Vraiment, il faut trouver une solution, je suis fatiguée. Elle est vraiment très belle et irrésistible. Un très bon caractère. As-tu elle déjà est très intelligente. Il n'y a que ma femme qui est plus belle qu'elle. Mon roi. Bienvenue au palais. Merci. Alors, comment va ton père? Mon très bon ami. Il va très bien et vous envoie ses salutations. Ah. C'est très bien ça. Elle va bien. Elle va bien.
Ah, il y a vraiment de la beauté dans cette famille. Bienvenue, ma fille. Merci, non, ma reine. Il faut lui trouver rapidement quelque chose à boire. Ouais. Mon fils, d'ailleurs, j'allais demander au corps de t'appeler. Mon prince. Qui est-elle? Elle s'appelle Obo. Je pense que tu vas la reconnaître. Son père et ton père, le roi, étaient de meilleurs amis. Oh oui. Je vis que vous étiez de bons amis. Voilà pourquoi j'ai choisi Obo. Qu'il en soit ainsi. Oh, ma fille, ne t'inquiète pas pour ça. C'est comme ça qu'il réagit quand il voit les invités. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ma fille. Quand tu vas les connaître, tu vas comprendre combien il est adorable. Ne t'inquiète oui, pas. Oui, c'est vrai. Oui. J'espère que vous avez une journée stressante. J'ai besoin d'un dîner. Alors va dans la chambre, rafraîchis-toi, change tes vêtements, puis descends pour savourer ton magnifique dîner. Ok. Tu continues à t'opposer? Tu dois quand même avoir du respect pour nous. Maman, il n'y a rien que je peux l'accorder. Tu crois que je ne sais pas ce que toi et papa planifient? Vous essayez de trouver une femme pour moi. Vous cherchez à ce que je me marie à la personne que je ne connais pas. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est vrai? D'ailleurs, c'est toi qui organises tout ceci. Maman, au cas où j'ai besoin d'une femme, je serai vraiment capable de trouver une pour moi. Alors c'est mieux que tu dises à cette fille de rentrer peu importe d'où elle vient. Avant de perdre mon contrôle, maman. Ne t'en fais pas. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Oui, ça se voit. D'accord? Ça se voit. Tu sais que tu te débrouilles très bien. Certaines personnes que j'avais envie d'aller passer, c'était très dur pour aider à maîtriser facilement. Avec toi, quand je dis quelque chose, tu captes facilement. Vraiment? Tu as vu, non? Je suis impressionné. Merci. Ah, je remercie Dieu pour toi. Oh. Je le remercie de t'amener dans ma vie. Ah, parce que si tu n'étais pas arrivé, j'ignore ce qu'on allait faire ma copine et moi. On allait dépenser beaucoup d'argent pour ces recyclages. Et tu es venu, tu nous enseignes gratuitement. Merci. Chaque fois que vous aurez besoin de moi, je serai là pour vous. Dis-moi, merci. Comment avec Chinaza? Elle avait dit qu'elle allait nous rejoindre chez toi à la maison. Mais peut-être que sa mère l'a retenue. Bien, je crois que prochainement elle sera là aussi pour apprendre. Oui, je l'espère. Oh non, 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 ne me dites pas que je l'ai manqué. Tu l'as déjà manqué. Tu es en retard. Ne t'en fais pas, elle va t'apprendre. Oui, je vais le faire. Oui, j'ai tout copié. Il m'enseignait et j'ai copié, m'enseignait et j'ai copié. Maintenant, tu vois, c'est maintenant une opportunité pour toi d'apprendre à enseigner. Oui. Ne t'en fais pas. Je suis sûre qu'elle nous aura toujours des classes. Oui. Merci. Bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vais te laisser. Au revoir. Ok. Bye. Bye bye. Je te donne quoi? Mais laisse-moi un peu, non? C'est quoi? Oui, mais qu'on arrive d'abord à la maison, c'est ce que j'ai dit, non? Je veux t'expliquer. Aujourd'hui, c'est moi qui serai ton prof. Vous n'allez pas saluer votre prince? Salutations, mon prince. Je vous demande, jeune fille,
Vous n'allez pas saluer votre prince? Mon prince, je ne respecte personne qui manque du respect aux gens du village. Après m'avoir humilié, moi, Adougo, vous m'aviez humilié et maintenant vous me demandez de vous saluer. Je ne veux pas vous saluer, prince et Meka, je ne vous salue pas. Mon prince, désolé, s'il vous plaît, mon prince. Ne me frappe pas, s'il vous plaît, mon prince, s'il vous plaît. Debout, vite, quitte-la. Je dis quitte-la. Pourquoi il me repousse? Après avoir tout essayé? Ah! Sois juste patiente, ma fille. Ne te fatigue pas. Très bientôt, l'amour que tu as toujours tant cherché viendra vers toi bientôt. Et tu sais, ça serait pour toujours. Ça me dérange. Je l'espère bien. Oui, je le sais aussi. Pourquoi ne pas aller à la cuisine? Lui préparer quelque chose et lui apporter dans sa chambre. Mais ma reine, tu sais comment il se comporte. Vas-y. Bonjour. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Est-ce que je t'ai demandé à manger? Oui, mais... Débarrasse ça d'ici, maintenant je ne vais pas le voir. Mon prince... Je dis, débarrasse ça d'ici! Tu es sourde! Est-ce que tu peux fermer ta bouche? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Maman, je n'ai pas vraiment besoin de me répéter plusieurs fois. Un jour, je serai couronné roi de ce royaume. Et cette petite fille doit apprendre comment me respecter. Te respecter? Oui! De quel respect tu es en train de parler? Non, dis-moi, qu'est-ce qu'elle t'a fait de mal? Elle t'a préparé la nourriture. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Maintenant, je veux que tu t'excuses auprès d'elle. Qu'est-ce que tu dis? Présenter mes excuses? Maintenant! Présenter mes excuses à cette folle? Au moins après ma mort! Alors, vous devez dégager de ma chambre. J'ai dit vous deux, sortez de ma chambre. Tu essaies de me chasser oui. De ta chambre? Emeka, rappelle-toi que je suis ta mère. Peu importe, tu as le devoir de me respecter, étant ta mère. Maman, il n'y a plus aucun espoir pour moi. Ma fille, sois juste un peu patiente. Comme conseil, il ne faut jamais abandonner. Continue toujours à essayer. Ok. Hey! Maman? Maman, tout va bien. Je ne devrais pas avoir peur.
bien Adougo, je voudrais bien causer avec toi en privé. Qu'est-ce qui se passe? Puis-je causer avec toi en privé, s'il te plaît? Mais tu sais, il n'y a aucune raison pour m'amener tout ça. C'est pour quelques minutes. Ok. C'est pourquoi tu nous as amené tous ces cadeaux? Bien. Il y a vraiment quelqu'un qui m'a fait comprendre que je t'avais beaucoup lésé. C'est la raison pour laquelle j'ai apporté ces cadeaux pour présenter mes excuses. Et Adougo, il y a quelque chose derrière ton audace. Personne ne m'a jamais parlé de la manière dont tu l'as fait. Ça, c'est parce qu'ils ont peur de dire la vérité. Quelle vérité? Tu parles de quelle vérité? Mon prince, je ne veux pas être... Non, s'il te plaît, parle. Je voudrais présentement savoir ce que tu penses de moi. S'il te plaît, parle, je t'écoute. Tu es tellement fier. Tu es tellement ambitieux de toi-même. Tu es tellement orgueilleux. Vous n'êtes pas excusé pour ce que vous aviez fait à mes copines et moi. Adougo, je t'ai apporté les cadeaux. Cadeaux? Le cadeau ne parlait pas. Tu ne peux pas acheter tout le monde. Tu m'entends? Tu ne peux pas acheter tout le monde. Un simple désolé ne va pas te tuer. Tu comprends ça? Ouvre ta bouche et dis désolé, tu ne mourras pas, tu ne vas pas mourir. Dire désolé, tu ne peux pas, tu es trop ambitieux. Tu t'élèves tellement. Tu crois que tu deviens Dieu. Tu la fermes. Regarde, c'est avec ça que tu iras. À tous les peuples de ces villages. Je dis, tu la fermes. Cette communauté ne sera pas dirigée par un roi orgueilleux et hautain. Ferme ta bouche. Tu seras le premier. Je dis, tu la fermes. C'est comme ça que tu vas diriger. Et ferme ta bouche, folle. Comme ça, vas-y. Trop hautain. Le prince de notre communauté. Oui, vas-y. Tu gardes tout sur ton chemin. Parce que tu es ignorant. Un prince inutile. Va prendre ta voiture et sors de ma parcelle. Et prends tes cadeaux, va avec. N'importe quoi. Quelqu'un qui a fini ses études et revient ici au village, c'est une mauvaise habitude qu'il a pris. Mon amour, tu sais quoi? Dis-moi. J'ai toujours cherché comment avoir une rencontre de tous les rois d'ici, afin de leur montrer la beauté de ma femme. Une beauté étonnante. Je ne peux pas attendre, s'il te plaît. Je me demande toujours, quand ils me demanderont, où est-ce que tu l'as rencontré? Oui. Honnêtement, ce jeune homme commence à être troublé par sa relation. Accepterais-tu de m'accompagner demain au marché? Parce que les choses que je vais acheter, je ne saurais pas tout lui rapporter parce que ma maman m'a demandé d'acheter plein de choses. Ah, Adougo, j'ai des choses à faire avec ma mère. Beaucoup de choses. Hein? Ok, faisons ceci alors. Je veux faire la tienne avec toi et toi aussi tu vas travailler avec moi. Non, hey. Adougo, non, je ne peux pas. Non, Ichi a affaire, non? Il est tout le temps à l'école. Je ne veux pas qu'il manque son école. Ça ne me dérange pas. Je peux vous accompagner. Tu es sûr? Oui, je trouverai un temps libre. Heya, merci. De rien. Je te l'avais dit que c'est un gentil garçon.
Bonjour, mon prince. Bonjour, mon prince. Adogo, s'il te plaît, monte dans la voiture. J'ai quelque chose de très important que j'aimerais discuter avec toi. S'il te plaît. Adogo, je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait. C'est vraiment juste que quand je t'avais vu pour la première fois, quelque chose a tressailli en moi. Je dois chercher comment que tu viennes vers moi. Tu sais, j'ai bien réalisé que je t'aime beaucoup. D'ailleurs, je pense que toi et moi devons construire quelque chose de plus beau, occuper et revivre encore nos sentiments. S'il te plaît, dis quelque chose. Prince Emeka? Oui? Je ne vous vois pas de la sorte. Oui, je peux comprendre, mais c'est le temps. Ça n'a rien à voir avec le temps. Ça a tout à voir avec toi. Moi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es toujours la même personne. Le seul méchant, le seul orgueilleux, le seul hautain que je connais. Je n'ai rien à voir avec une personne qui n'a aucune sympathie pour les humains. Hein? Alors pardon, s'il vous plaît, arrêtez-vous, laissez-moi descendre ici. Fais-moi descendre, pardon. Arrête la voiture. Arrête la voiture. Oui, et vous pouvez aussi préparer quelque chose pour le dîner. Nous serons là pour attendre. Oui, d'accord. Je vais te rappeler après, s'il te plaît. Emeka, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien? Maman, je ne comprends pas comment elle le fait. Il continue toujours à me dire comment je suis orgueilleux, je suis arrogant. Elle, tu parles de cette fille. Elle continue toujours à me traiter d'orgueilleux, arrogant. Maman, elle ne comprend même pas. Un jour, je deviendrai Igwe et ces gens doivent apprendre comment me respecter. Maman, ceci devient ennuyant. Moi, orgueilleux, comment? Qu'est-ce qu'elle sait de la royauté? Maman, tu souris. Tu penses que ce qu'elle dit, c'est vrai? C'est ce que tu penses? Oui. Tu attendais ceci il y a longtemps. Maintenant, tu comprends. Presque tout le monde t'en parlait de la même chose. Mais tu résistais. Emeka, Chisom, Chisom, je sais combien tu m'aimes. Je t'aime toujours. Mais je ne t'aime pas. Je ne t'aime plus du tout. Tu étais parti. Je ne t'ai même pas demandé de retourner. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Désolée ne va plus rien changer. Chisom, tu m'avais quitté pour un homme qui a beaucoup plus d'argent à cause de ma pauvreté. Et maintenant, tu reviens. Pour le même enseignant fauché. Rien n'a changé.
Je suis toujours fauché. Je suis toujours un enseignant. Dis-moi, qu'est-ce qui peut me rassurer? Que tu ne referais pas la même chose. Gucci, je t'avais dit que je t'aime beaucoup. Et je suis consciente maintenant. Crois-moi, cela ne va plus se répéter. Donne-moi juste une seconde chance. Je vais t'éprouver. Mais je te fais plus confiance. Écoute, écoute-moi. Du fond de mon cœur, je veux juste que tu comprennes que tout ce qui est ici, hein, il n'y a pas d'espoir ici. C'est terminé. Ok? Aussitôt tu le mettras dans ta tête, mieux sera. Okay. Allez! Ok? Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi juste ce que je peux faire. N'importe quoi. N'importe quoi. S'il te plaît. N'importe quoi? Dis juste quelque chose. Je le ferai. Tu le feras? Oui. Tu me promets? Ok. Maintenant, je veux que tu t'élèves. Juste, tu enlèves ta main sur mon corps. Tu t'élèves. Tu tournes. Et tu commences à partir. Hein? Hein? Et quand tu vas te réveiller, ne t'évite pas de retourner et me chercher. Va-t'en et ne reviens plus jamais. Je te pardonnerai pour toujours si tu l'as fait pour moi. Gucci, s'il te plaît, ne me fais pas ça. S'il te plaît, je t'aime toujours. Chisom, je disais, tu devais partir. Pars! Gucci. Je suis désolé de t'avoir poussé. Je voudrais vraiment que tu partes. Va-t'en! Comment ça va? Ok, j'ai quelque chose pour toi, bébé. Prends ceci. Je t'ajoute encore ceci. Hmm? Ça va. Allez-y, approchez. J'ai quelque chose pour vous. Hmm? Je suis heureux de le partager avec vous parce que vous êtes mes sœurs et frères. Merci. Avance, s'il te plaît. Avance. Merci. Ça, c'est pour toi. Hmm? Pour un Merci. Peu de rafraîchissement. Merci. Avance. Merci. Ça, c'est pour toi. Hmm? Merci, mon prince. Et Merci, ça mon prince. Merci. Aussi Merci. Ça Oui. Merci. Allez-y, prends ce que tu veux. Tout ce dont tu as besoin. Oui. S'il te plaît, avancez, nous sommes un, ok? Nous sommes un. Oui. Ouais. Oh mes gars, allez-y, prenez, avance. C'est ton frère? J'ai l'impression que tu dois apporter ces cadeaux à ta mère. C'est pour ta mère, ok? C'est bien. Mon gars, qu'est-ce que tu veux? Prends ce que tu veux là-bas. Je suis heureux de partager parce que je considère que nous sommes tous une famille. Ah, merci, une famille. Quelque chose. Allez-y, prends ce que tu veux. Allez-y. Merci. Prends ceci. C'est pour mon toi. Prince adoré. Ça, c'est pour toi. Et ça, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu veux? S'il te plaît, prends ce que tu veux. Avance. Viens prendre. Oh, mon frère, n'aie pas honte. Ok, ça suffit. Vous êtes mes frères. Je suis heureux de partager tout ce que je possède avec mon peuple. Qu'est-ce que tu veux manger? Hmm? Tu préfères manger toutes choses, je sais. Viens. Ça, c'est pour toi, pour un peu de rafraîchissement. Merci, mon frère. Ça. Oh, je t'en prie. Je t'en prie. Oh, ok, prends ceci. C'est un sachet de biscuits. Allez-y. Quelque chose pour toi? Approche ici, mon frère. N'aie pas peur. Viens prendre. Oh, ça ne vaut pas la peine de t'agenouiller. Non, approche. Prends. J'ai quelque chose pour toi? Ça, c'est pour toi. Et ça, c'est pour toi. Non, s'il te plaît. Non, je t'ai dit, ça ne vaut pas la peine de t'agenouiller. Non, tiens-toi debout. Ne t'agenouille pas quand tu me vois. Je suis ton frère. Est-ce que tu comprends? Ok, ça ne vaut pas la peine, s'il te plaît. Approche-toi. Attends que je te donne quelque chose. Ça, c'est pour toi. Ok? Aussi, je t'ajoute encore ceci. Hmm? Je suis heureux de partager avec vous, ok? Merci, mon prince. Mon peuple! Notre prince! Donne-moi mon téléphone. Je dois prendre des photos avec mon peuple. Oui, ça c'est convié. Voilà. Ok, approchez tous ici. Oui! Oui! Ouais.
juste un rêve. Si le prince ne nous avait pas amené tout ce qu'il avait amené l'autre fois, comment allions-nous survivre? Maman, on allait vivre. On allait vivre. Bien sûr qu'on allait vivre. Vivre? Vivre comment? Ma fille, parle-moi, on allait faire comment? Oh, c'est ce que tu appelles vivre? Regarde les chiens de ta maison. Regarde-le comment ils sont. Ils ne vivent pas. Ça s'appelle une souffrance extrême, la pauvreté. La pauvreté, les pauvres n'ont pas de relation. Ça, c'est quel genre de pauvreté? Déguste bien ta nourriture, c'est pas ta faute. Zoom. Brudum. Adugo, tu sais à quoi je pense? Quand le prince va t'épouser. Adugo, ma fille. Ma fille Adugo va devenir la princesse de la communauté. La promise. Hey! Ma fille, la belle, Adugo va devenir la reine de cette communauté. Et je vais devenir la maman de la reine. Et là, je veux marcher avec toute fierté. La tête... Qu'est-ce que je fais de mal? Dites-moi, je dis quelque chose de mauvais? Qu'est-ce que j'ai dit qui n'est pas bien? Je veux le meilleur pour ma fille. Elle se lève juste et claque la porte. Je voulais dire, qui d'entre vous? Dites-moi, tu n'aimerais pas que ta fille épouse un homme riche? Non, arrête ça, tu mens. Moi, j'aimerais bien. Et toi, pareillement. À ce niveau de pauvreté, aïe! De toutes les façons, ça, c'est son affaire. Mais pour la nourriture, je veux bien manger. Je veux manger avec appétit, car c'est bon. Kolingana lingayo, maman. Kakayo, maman. Je suis fortement étonnée. Le tout-puissant prince est devenu généreux. Le prince avait demandé au peuple de se rassembler. Les gens sont allés proche de sa voiture et il a partagé tout ce qu'il avait avec tout le village. Le prince Emak a vraiment changé. Je me demande qu'est-ce qu'il a pu faire pour que le prince puisse changer. Moi aussi, ça m'étonne. Mais cependant, combien de temps qu'il va continuer comme ça? Et qui sait son intention derrière ses gestes? Et quel sera le prochain? Moi, je ne suis pas du tout contente. Pourquoi tu es comme ça? Je t'ai dit que le prince Emeka a changé. Le seul tyran que nous avions dans ce village a complètement changé. Laissons voir si on sera convaincu ou pas. Papa? Maman? Oui, mon fils. Je sais que je n'ai jamais été un meilleur garçon. Et à certains points, j'ai commencé à me perdre. J'ai bien saisi cette opportunité pour dire, je suis vraiment désolé pour toute chose. Je sais que je vous avais énervé et je vous avais déçu. J'ai pris la décision d'abandonner les études. Je n'avais aucune raison de les faire. Je suis vraiment désolé de ça. Aussi, je voudrais bien vous dire que... J'ai pris la décision de continuer avec mes études jusqu'à ce que j'aurai mon diplôme. Oh mon Dieu! C'est vraiment une bonne nouvelle. Fils? Tu es mon fils. Je veux Merci, dire... Merci, papa. Maintenant, tu as montré que tu... Tu es le vrai fils de ton père. Merci, papa. Je veux te soutenir tout le temps, pendant toutes tes études, quand tu as décidé d'y retourner. Merci, papa. Contente. Ça, c'est le fils que je connais. Je veux dire, maintenant, c'est évident que tu as vraiment mon sang qui coule en toi. Bien sûr, papa. Merci, papa. Merci. Alors, quand est-ce que tu comptes reprendre? Je sais. Bien, papa, je compte reprendre mes études aussitôt possible. Oui, ça, c'est très bien. Merci. Merci, papa. Merci. Ça, c'est mon fils. Je vais arranger certaines choses dans ma chambre, papa.
Mon fils. Merci beaucoup, ma mère. Merci, je t'aime beaucoup. Oh, je suis contente. Je suis contente, oh. Je suis contente. Oh, merci, mon Dieu. Je suis vraiment contente. Je me demandais si ce n'était plus mon sang qui coulait dans ce verre. Mais depuis tout ce temps, il était où depuis tout ce temps? Oh, je suis contente. C'est une bonne nouvelle. Je suis contente, oh, merci, mon Dieu. Oh. Merci, je pensais qu'il n'avait jamais été mon fils. Je suis vraiment contente. Oh. Je me sens bien. Oui. Maintenant que j'ai enlevé tout dans mon esprit, je me sens comme tous les démons sont sortis de mon corps. Je suis content. Je pense il y a quelque chose qui est ressuscité en moi. J'ai réalisé que mon amour pour cette fille a complètement disparu. Nous n'avons pas été faits pour être ensemble. Alors, je suis content. C'est fini. Finalement. Bouchi, mon pote. Oui, alors, je suis sûr. Être avec Adugo, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que tu veux dire? Mais qu'est-ce que je peux essayer de dire? Mais qu'est-ce que tu me prétendais? Semblant. Comment? Arrête de me faire semblant comme si tu n'as rien prétendu. C'est toi qui me parles de tes prétentions à travers cette fille. Si réellement tu aimes cette fille, qu'est-ce que cette fille a qui te rend si péré? Hein? C'est quoi ton problème? Ah! Qu'est-ce qui va arriver si elle ne m'aime pas? As-tu déjà essayé? Je ne vais pas être embarrassé. Arrête de me parler de ces bêtises. Tu es fou. Ce n'est pas le sujet. L'opinion est que tu es un fou. Si je ne te connaissais pas, mais j'allais crier que tu es un fou. Prends. Ok, je ne veux pas me précipiter. Je dois prendre mon temps. Ok? En plus, je ne pense pas qu'elle m'aime. Je ne veux pas me poser à elle. Mais quoi? Tu aimes cette fille? Je l'aime. Va comme un homme, comme moi je te vois, ce que tu es, pour que toi et moi nous puissions rester amis. Va chez cette fille, dis-lui ce que tu ressens, dis à cette fille que tu l'aimes. Elle va refuser, et j'aurai l'air d'un con, à cause de tes conseils inutiles. Laisse-moi, et après okay, là on verra. Je te permets de prendre ton temps. Tu sais quoi? Je pars tout droit chez elle, pour la demande de sortir. Tu n'es pas sérieux. Je pense que je plaisante. Laisse-moi. La dire, et elle deviendra à moi. Laisse-moi la prendre, et par là tu prendras courage. Tu dois plaisanter. Tu crois que je serai comme c'est toi? Une plaisanterie, n'est-ce pas? Crois ici, laisse-moi partir. N'es-tu pas en train de plaisanter? J'ai décidé d'appliquer ton conseil et rentrer continuer avec les études, pour terminer mes études. Et tu sais, je n'avais pas totalement abandonné mes études. J'ai connu un problème concernant mes études aux États-Unis. Alors, j'ai tout réglé et c'est fini. C'est bien pour toi. Ok. Bien, j'espère que tu me comprends. Je fais ceci pour toi. Le départ, c'est pour demain. J'aimerais que tu considères le palais comme ta maison. Même en mon absence, j'aimerais que tu te sentes à l'aise. Tu pars visiter ma mère à chaque fois. Ok? Parce que le palais sera ta maison un jour. Tu vas me manquer aussi. Tes bruits. Je comprends. Mais puis-je avoir un câlin de revoir? Ok, au revoir. Je vais à l'intérieur. Ok. Bon voyage. Viens, 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 viens d'abord ici.
As-tu entendu parler du prince? Non? Aïe! Mon Dieu! Il est parti que tu n'as pas de nouvelles. Je n'ai pas envie d'attendre de ces nouvelles. Ah, c'est quoi cette sottise? Qu'est-ce que tu veux dire par tu ne veux pas avoir de ces nouvelles? Tchèi! Ferme-la! Tu dois avoir de ces nouvelles, oh! Regarde comment elle est! Ne sais-tu pas que si tu jouais bien ta carte, le prince va t'épouser? Il va t'aimer et prendre soin de toi. Tu ne me retournes de l'école à cause de toi? C'est pas une grâce! Il faut tenter ta chance et tu verras que la chance va te sourire. Oh maman, je veux pas l'épouser. Oh, j'ai pas envie de l'épouser, c'est par force. Oui, oh, ma fille, c'est par force. Dis-moi un peu, est-ce qu'il y a une famille dans ce village qui peut prendre soin de nous? Non, réponds-moi, il y a une autre famille qui est meilleure que la famille royale? Ah, ma fille, tu dois rester connectée à cette famille. Appelle-le. Ah, je veux pas l'appeler. Je veux pas l'appeler. Je ne veux pas l'épouser. Tu me forces à épouser une personne qui ne m'a même pas demandé un mariage. Je ne l'aime pas. Mais ça, c'est quel démon ça? Que tu l'aimes ou pas, tu vas l'aimer. Écoute, si tu épousais ces garçons, tous nos problèmes seront finis. Et je serai appelée la mère de la reine. Il faut l'aimer, oh. Je ne comprends plus rien, oh. Sais-tu que ça fait maintenant 5 mois que je n'ai pas vu Bucci? Chaque fois que je vais à l'école, on me dit qu'il est occupé. Et si je partais chez lui à la maison, il n'est toujours pas là. De quoi est-ce que tu parles? Bucci que j'ai vu dernièrement, il était venu chez moi. Hier, tu as vu Bucci? Oui. Bucci est venu te rendre visite? Oui. Pourquoi il ne vient pas me rendre visite, non? Je ne sais pas, oh. Je pense qu'il sera dans sa maison. Tu peux aller lui demander. Ok, on y va alors. Non, je... quelqu'un de spécial veut me voir. Hein? Pas de problème. On se voit plus tard, bye. Adugo, qu'est-ce que tu fais ici? Bucci, qu'est-ce qui ne va pas? Je te fais quelque chose de mal? Je ne veux pas entrer en conflit avec le prince. Est-ce que tu sais dans quel état se met le prince lorsqu'il est en colère? Attends. Je ne veux pas mettre les choses que je ne pourrais pas m'expliquer. Attends, de quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu dis? Ne fais même pas semblant. À cause de moi, toi et le prince... Vous... Attends, attends, attends. Donc tu es en train de m'inviter parce que tu crois que le prince est moi. Bucci, tu es vraiment un homme jaloux. Tu es vraiment un amoureux jaloux. Bien sûr que je suis jaloux. Regarde, Adugo. Tu mérites mieux. Hein? Tu mérites quelqu'un qui... Quelqu'un comme toi. Oh mon Dieu. Adugo. Tu ne peux pas croire ça. Je tiens à toi si profondément. Je ne peux pas arrêter de penser à toi. Je sais. Non, tu ne sais pas. Pas comme un frère, ni même comme un ami. Et ce que je dis vient du plus profond de mon cœur. Je tiens à toi profondément. Je sais. Et j'espérais que qu'un jour tu me diras quelque chose. Mais tu l'as jamais fait et je te confuse. Ah. Je me dérange aussi pour toi. Je le sais. Et le prince? Rien pour moi. Attends.
Rassure-moi qu'il n'a aucune chance avec toi. Oui, tu as toujours une chance envers moi, mais tu n'as jamais eu l'occasion. Je l'ai maintenant compris. Ada, sois à moi. Et je ferai de toi la femme la plus heureuse au monde. Je te le promets. Tu as dit oui? Oui. Oui? Oui! Oui! Oh! Oh! Oh, désolé. 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 Je suis désolé. Je ne voulais pas faire ça. Ne t'inquiète pas. Je te rendrai fier. Ça va, monsieur? Je vais bien. Fais tes devoirs. D'accord, au revoir. Oui, très bien. Merci. Merci. Oui. Et là, parce qu'elle a une préférence avec toi. Oh. Je crois qu'elle avait une affaire avec toi. Ah. Mais c'est pas ça. Si c'est avec toi, j'allais dire. Bien. Bien. Tu paies. Oui, comme ça, c'est merveilleux. Mm-hmm. Elles vont adorer une enseignante comme ouais, toi. Ouais, c'est ça. Une très jolie enseignante. Hey. Ça te va? Oui. Oui. J'aime bien ça. Je l'adore. Oh. Merci. Je suis heureux. Je Merci. Savais que tu vas l'adorer. Je t'en prie. Et c'est pour ça qu'aussi va partir? Bien. Si tu veux, c'est un joli sac. Oui, je ne sais pas si je peux le changer. Je vais porter ça comme ça. Tu es marrant. Oh, je t'en prie. Tu es si contente de m'avoir. Oui, je suis vraiment heureuse avec toi. Et tu seras bien fière de ta robe? Oui, je peux même le mettre. Non, non, pas maintenant. Attends, non, non, non. Ne le sais pas ici. Oh, non, je veux le porter maintenant. Comme ça, tu vas me regarder là-dedans. D'accord. Tu vois comme ça. Adougo, vraiment, qu'est-ce que tu fais, ma fille? Je te salue. Ne me salue pas. Qu'est-ce qui est bien de cet après-midi? Adougo, n'est-ce pas que je t'avais envoyé? Adougo, tu parles maintenant aux hommes? Maman, je suis son tu ami. Tu te permets de parler aux hommes? Je m'en fous de qui tu y es, mon frère. Tu dis que vous êtes juste des amis, cela concerne qui? Adougo, c'est ça ta vie? Ok, à la maison. Adougo. Adougo, fais vite. Écoute ta maman. C'est ce que tu veux, hein? C'est comme ça qu'il était. Oh, tu me dis bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a de bon avec cette soirée? Ah, qui est ici? Oh, tu traînes les pas. Ah bon? Attends-moi là. Attends que je te rattrape. Attends, tu verras. Attends. Attends, je vais voir. You change my world. You change everything bad in my life. You change my life. You change my world. You changed everything. Ma maman, elle est comme ça. Je vais mettre le... Adougo, 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 toi, regarde-moi, tu ne m'entends pas? Hein?
qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi m'ignores-tu pendant que tu connais la raison pour laquelle je t'appelle? Maintenant, laisse-moi te dire. Reste loin de mon petit ami. Gauthier est mon bien-aimé petit ami à qui j'ai fait confiance. Et je ne peux les partager avec aucune femme, surtout toi. Et je suis en train de te courir derrière comme ça, en train de transpirer, juste pour parler avec toi. Tu sais pourquoi? Parce que je ne le ferai plus jamais. Et la prochaine fois que tu me verras revenir vers toi et parler encore de ces problèmes, ton histoire va prendre fin ces jours-là. Reste loin de lui. Tu ne peux pas t'intéresser à un autre homme. C'est Maguchi. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tu es obsédé par lui? Quitte-la! Si je te trompe encore avec lui, tout le village le saura. Imbécile. Adogo. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'as pas cherché toute la journée. Je veux bien. Viens là. Je sais que tu vas tout me dire. Je veux savoir. Je suis un objet de jeu pour toi. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si tu continues de sortir avec une somme, pourquoi alors mais... Wow, attends, attends. Tu sommes? Non! J'ai arrêté de voir Tissom. Nous, j'ai aucune affaire avec Tissom. Pour quelle raison est-elle venue? Et pourquoi alors elle m'a affronté? Qu'a-t-elle fait? Oui, elle m'a affronté en me disant de rester loin de toi. Obi, reste juste ici. Je te reviens. Pochi! Pochi! Tissom, Tissom, si tu oses t'affronter à Dougo encore, si tu oses. Gucci, tu me fais mal. Tu me fais mal. Laisse à Dougo tranquille. Je t'ai déjà quitté. Et tu le devrais aussi. Laisse-moi tranquille. Tu l'aimes? Gucci. Je le dis de tout mon cœur. Reste loin d'elle. Reste loin d'elle. D'accord. Je suis très sérieux à propos de cette fille. Je sais. Je vais aller voir sa maman. Tu es sûr? Maman, ta fille m'a fait vraiment chavirer. Et je tiens beaucoup à elle. Pour cette raison, je suis là pour... Je vais faire des choses de la bonne manière, selon nos traditions. Maman, nous avons acheté ces présents. Je viens vous montrer mes intentions. À cet instant, je tiens beaucoup à votre fille. Et je te remercie d'avoir élevé cette brillante et intelligente fille. Et ça sera un honneur si je peux faire d'elle mon épouse. Maman, Adogo et moi, nous sommes d'accord de rester ensemble. Nous voulons passer le reste de nos jours ensemble. Et je promets, je ferai tout ce que je peux. Tant que je vivrai, je ferai d'elle la femme la plus heureuse de la terre. Je te promets, maman.
Je prendrai soin d'Adogo. S'il vous plaît, acceptez ses présents. C'est tout ce que tu as? Hein? À me donner? Tu veux épouser ma fille? Oui, maman. Oui. Oui, maman. C'est bien. Merci. Maman, merci. Donnez-moi juste une minute. Hein? Non, maman, s'il te plaît, ne te dérange pas. Non, non, non. Si tu veux aller prendre le cola. Le cola? Non! Quelque chose de plus grand que les colas. Ça nous a pris le droit de cola. Ça, c'est très bien. Elle a accepté. Ça, c'est bien passé. Je te l'ai dit que ça va marcher. Je suis trop content pour vous deux. Je suis... Pourquoi avez-vous pu? Qui t'a autorisé? Qui te permet de venir dans ma parcelle avec tes deux sales pieds? Parce que vous avez porté de nouveaux babouches, hein? De maman. Couleurs différentes. Et vous pensez que vous pouvez venir chez moi pour demander la main de ma fille en mariage? Maman, désolé. Maman, désolé. C'était pas des intentions de vous offenser. Nous pouvons en discuter. S'il vous plaît, maman, ne soyez pas en colère. Nous pouvons en discuter. Maman, s'il te plaît, donne un peu de chien pour qu'on puisse t'expliquer. Maman, s'il te plaît. Et où? Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Il te serait mieux de fermer ta bouche avant que je ne te jupe. Toi, tu es devenu folle. Regarde ce misérable gnome. Je suis désolée. Tu veux utiliser ces choses pour épouser ma fille? Je vais apporter encore. Tu emmèneras assez. Tes amis apportent des jeeps pour épouser une femme. Maman, nous nous aimons beaucoup avec ta fille. Quoi? Attention, elle arrive. Vous vous aimez? Viens. Je ne comprends pas, ma mère. Qu'est-ce qu'elle m'a dit que je n'ai pas fait pour réagir de la sorte? Comment elle peut s'attendre que je puisse épouser le prince? Quand je n'ai même pas d'attirance pour le prince, et le prince ne m'aime pas ici. Et le prince n'a jamais dit qu'il voulait m'épouser. Et même s'il le faisait, je vais choisir Bouti pour n'importe quand et n'importe quelle chose. Calme-toi. Je ne sais quoi faire. Calme-toi. Je ne suis pas heureuse. J'ai perdu ma joie. Écoute, tout ira pour le mieux. Crois-moi. Comment tu iras pour le mieux quand ma mère agirait que je ne veux jamais épouser Bouti? Il n'y a rien qui ira pour le mieux. Mais si tu tombais enceinte de Bouti? Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je veux dire que si tu tombes enceinte de Bouti, ta mère n'aura aucune autre option que de le laisser t'épouser. Bouti, s'il te plaît, ça c'est la seule façon. S'il te plaît. Si je suis enceinte de toi, ma mère n'aura plus les choix. Elle me laissera t'épouser. Est-ce que tu peux arrêter ça? Ok, s'il te plaît. S'il te plaît, Bouti, ça c'est la meilleure façon, Bouti. Je t'en prie, s'il te non, plaît. Non, attends, prie, arrête ça, arrête ça. Non, regarde, tu ne peux pas avoir ça. Regarde, tu dois comprendre. Je désire ça plus que toi. Je rêve de passer le reste de ma vie avec toi. Crois-moi, mais je vais le faire de la bonne manière. Et je crois que ta mère reviendra à la raison. D'accord. Je te demande d'être juste et patiente. S'il te plaît. Ok. Je sais ce que tu ressens. Je ressens la même chose que toi. Je sais qu'au départ, rien ne sera facile. D'accord, je vais faire quelque chose. Bébé, ne pleure pas. Ne recommence pas. Ça va? Adogo, stop! Reviens ici. Je ne t'ai pas averti de ne plus aller chez ces garçons. Je ne te l'ai pas interdit. Mais maman, je suis une adulte. Je suis une adulte, non? Hein? Ce que tu fais là, c'est pas juste.
Je vais aller chez Bouchi quand je veux et tu ne vas pas me l'interdire. Hey! Je ne peux pas t'interdire. Tu es assez grande, non? Tu es assez grande. Et je vais l'épouser. Et je vais te montrer que c'est moi qui suis ta mère. Maman, je suis une adulte. Parle-moi. Maman, je suis assez grande. Comment tu as grandi? Hein? Je ne peux pas t'interdire. Maman? Hey! Hey! Prince! Maman? Mon prince! Oh, mes honneurs! Maman? Mon prince! Vous êtes de retour? Oui, maman. Jay! Ravi de te voir, je maman. Je suis aussi heureuse de vous voir. Soyez le bienvenu. Merci, hey, maman. Merci, mon maman. Mon prince, comment vous merci. Allez? Merci. Je vais hey, bien, maman. Soyez le bienvenu. Merci. Hey, prince! Comment va mon bébé, maman? Ton bébé? Elle est là, ton bébé. Elle va bien. Excuse-la. Oh, ne vous en faites pas, maman. Je comprends, ce sont des caprices. Mais franchement, maman, je vous dis que moi, je l'aime. Oh, mon cher. Oui, c'est vraiment une fille capricieuse. Oui, papa, les études sont bien passées. À la fin de l'année, je dois être un licencié. Vraiment? C'est très bien. Génial. Je suis heureuse. Oui. Mais nous ne t'attendions pas à la maison aussitôt. Oui, papa. En fait, j'ai je suis retourné parce que j'ai quelque chose de très important que je dois faire. Vous le savez, la raison qui m'a poussé d'aller continuer avec mes études, c'est Adougo. C'est vrai? Adougo? Vous vous rappelez de la maman? Oui, oui, papa, je sais que tu ne la connais pas, mais Adougo, elle est extrêmement belle. Mm-hmm. Vraiment, cette fille, elle est toute belle. Elle est mignonne. Papa, mm-hmm, tout homme sera chanceux de la voir comme femme. C'est la raison pour laquelle je suis rentré pour l'épouser avant que notre homme ait cette chance avant moi. Oh, mon fils, je suis très contente d'entendre cela. Mm. Tu sais quoi? Je te supporte pleinement. Oh, maman, merci. Bien, je te présente toutes mes félicitations, mon fils. Même la Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Merci, papa. Oui. Merci. Tu as mon soutien. Merci. Il faut le célébrer. Oui. Je suis impatient, papa. Je suis impatient d'être avec elle ensemble. Hasinambo. Adamo, écoutez, Makanaya Bunkukwe, nous avons quelque chose à vous annoncer. Vraiment? Notre roi nous a envoyés. Nous sommes les envoyés du roi. Le roi nous a envoyés. Permettez-moi d'appeler ma fille. Adougo! Adougo, nien, maman, on a besoin de toi. Anela. Très belle fille. Les anciens, je vous salue, ma fille. Oui, bonjour, ma fille. Bon, tu connais déjà le prince Emeka. C'est notre principal visiteur d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est venu avec une bonne nouvelle. Prince Emeka a sorti ses intentions de te prendre en mariage. Et comme tu peux voir, comme coutume et tradition de notre communauté, il est venu avec les anciens. Tu sais que le roi et la reine ne peuvent pas venir ici. C'est santé qui le représente. Alors, ils sont venus officiellement me dire qu'ils veulent te prendre en mariage. Je n'accepte pas. Adougo, qu'est-ce que tu dis? Je veux pas le dire, je veux pas. Les anciens, excusez-moi. Oh. Je vous remercie d'avoir béni notre parcelle de votre présence. Que Dieu vous bénisse et rentrez dans vos maisons en paix. Merci. Adougo.
connais Adugona. Tu connais comment sont ses réactions. C'est comme ça qu'une femme, quand elle est amoureuse, elle réagit de toutes les... Ça va, ça va. Ça va, maman. Merci beaucoup. Je suis désolée pour ceci, mais je sais que sa conscience va l'interpeller. Mais quand je vous en prie, tu sais comment elle est jeune fille. Qu'elle soit amoureuse, elle réagit n'importe comment. Je vais lui parler. Hein? J'espère que vous le fassiez. Ne t'en fais pas. Oh, c'est ma fille, je vais lui parler. Je t'avais dit que tout ça va s'empirer. Mais tu n'as pas voulu m'écouter. Si seulement tu as accepté de me rendre enceinte. Mais qu'est-ce qu'il y en aura, Bouchi? Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose parce que je ne veux pas avoir quelque chose avec le prince. Je ne veux pas. Ça va aller. Juste calme-toi, s'il te plaît. Je te promets que toi et moi, nous allons passer le reste de notre vie ensemble. Il n'y a rien qui va l'arrêter. D'accord? S'il te plaît, apaise-toi. Ça va aller. Tout va aller pour le mieux. L'année prochaine, nous allons rire de ça. Nobody don't touch my heart like you. Nobody don't... Oui. Flou m'a dit que quand un ancien est dans la maison, il n'y a pas moyen de permettre à une chèvre de mettre bas en désordre. Je me dis que tu te demandes qui est la chèvre et qui est le désordre. Oui, j'accepte. Mon fils le prince est la chèvre. Le désordre, c'est ce qu'il a trouvé en lui-même. Concernant ta fille et la proposition qu'il lui a faite, je t'ai appelé pour te supplier spécifiquement de parler à ta fille. Amène-la à trouver une raison d'accepter mon fils. Mon fils n'est plus le même. Je veux dire, mon fils a beaucoup changé et nous en sommes tous témoins. Et tout ça, c'est à cause de l'influence de ta fille. Et je veux qu'il reste toujours comme ça. Et je veux qu'il devienne une meilleure personne possible. Mais s'il te plaît, parle à ta fille pour qu'elle accepte. S'il te plaît, je ne veux pas perdre mon fils. Mon fils va mourir si jamais ta fille n'accepte pas. Igwe, je vous ai entendu. Je ne veux pas que le prince devienne une chèvre. Non, pas du tout. Je veux parler à ma fille. Elle m'écoute. Je veux lui parler. Ne vous en faites pas. Elle va accepter sa proposition. Je te remercie. Je veux que nous nous voyons la prochaine fois pour seulement une bonne nouvelle. C'est vrai, c'est ça. S'il vous plaît, je peux partir maintenant. C'est bon. Mais s'il te plaît. Utilise ça, s'il te plaît. Ce n'est que pour le transport. Mon roi, je ne peux pas prendre ça. Je ne veux pas accepter. Je ne veux pas le prendre comme l'argent de... Non. C'est toi qui vois que c'est une récompense. Pour moi, ce n'est qu'une appréciation. Au lieu qu'on apporte des chèvres ici et des ignames, c'est mieux que tu prennes seulement ça, n'est-ce pas? Hein? S'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Mon roi, je ne veux pas que vous me bénissez. Non, non. Comme vous m'aviez forcé et me donné à la mère. Mais si tu ne le prends pas, je vais te sanctionner. Aïe, non. Igwe. Tout se passerait bien pour toi. Reviens avec une bonne suite, s'il te plaît. Je veux lui parler. I've never felt this way for anybody else. The way I feel. Je suis le prince. Je ne sais plus de quelle manière je peux encore vous saluer. Oui, parce que je suis devenu une nouvelle personne à Dogo. Tu m'as changé. Je suis devenu une meilleure personne. Ok. Qu'est-ce que tu l'as dit? Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Je suis venu te voir à Dogo. Je pensais qu'à toi toute la nuit. À ce qui nous concerne. Prince Emeka, il n'y a pas de nous. Il n'y a pas de nous. Qu'est-ce que tu dis comme ça? Ne faut pas dire ça à Dogo. Tu dois me donner la chance et tu verras comment je vais te traiter. Écoute.
tu peux pas faire ça. Ok, je peux pas te donner des chances. Mon cœur appartient à une autre personne. Quoi? C'est exactement ce à quoi tu penses. C'est exactement ça. Nous sommes amoureux, nous nous aimons. Nous allons nous marier bientôt. Alors s'il te plaît, laisse-moi tranquille. J'ai des choses à remettre à la maison. Passe une bonne journée. Adougo. Adougo. Nobody don't touch my heart like you. Nobody don't do me the way you do. I've never felt this way for anybody else. The way I feel for you. Baby, the way you smile. Or the way you laugh. Or the way you walk. Or the way you talk. The things you do. How you dare do it. Makes me fall in love. With you, you changed my life. Que fais-tu ici? S'il te plaît, dégage. C'est quoi ça? Mon prince. Ogochuku, qu'est-ce que tu fais ici? Mon prince. Écoute. Je ne suis pas intéressé à toi. Mes parents t'ont invité dans ces palais sans mon consentement. Vraiment, je suis désolé. Si tu penses que je vais... Tu vas m'épouser? Je sais que tu ne vas pas m'épouser à cause d'un Togo. Tout le monde dans ces villages sont au courant. Mais mon prince, pourquoi tu gaspilles tout ton temps avec Adougo? C'est mon temps, ce n'est pas ton temps. Mais elle est amoureuse de Bucci. Écoute, je pense que tu es obligé de voir une autre. Bucci? Le professeur de l'école communautaire. Bucci, viens. On doit parler. Entre homme. Je pense que tu sais ma raison d'être ici. J'ai... Bien. C'était quoi? Adougo. Oui. Tu vois, cette fille signifie tout un monde pour moi. En plus... J'ai vraiment un grand plan pour elle. Je veux qu'elle devienne ma femme. Mais ta présence joue un rôle négatif. Tu sais, j'ai appris que quand j'étais absent, tu as essayé un peu de l'approcher. Tu avais tout fait. Enfin, tu as fini par l'embrasser dans tes bras. Mais comme tu peux le voir, Bucci, je suis de retour. Oui. J'aimerais bien te supplier d'être loin d'elle pour que je la fasse devenir ma femme, s'il te plaît. Ah, mon prince, ce n'est pas facile pour moi comme vous le pensez. Qui s'inquiète? Je m'en fous de quelle manière que cela peut se faire. Bucci, j'ai besoin que toi, que tu t'écartes loin d'Adougo, afin que je fasse d'elle mon épouse. Tu sais pourquoi j'ai besoin de faire cela? Je l'aime. J'aime Adougo. Est-ce que tu comprends? Oui, mon prince. J'ai compris. Il a compris. Je te l'avais dit. J'ai affaire à un homme raisonnable. Oui, mon prince. Merci. Il a compris. Merci. You changed my life. You changed my world. You changed everything bad in my
m'importe. Rien de cela va se passer. Est-ce que tu me crois? Ça, c'est ma chérie. C'est d'accord? Je t'aime. Je t'aime aussi. Addicted to you. Addicted to you. Addicted to you. Addicted to you. Never seen anyone wait on drive me crazy like you. You're the cure to my highness, you're the medicine to my madness. If you leave me, I go enter for coma. If you leave me, I go die. If you leave me, I go enter for coma. If you leave me, I go die. Cause I am addicted. J'aime pas la tournure dont ça prend. J'aime pas ça, sérieusement. Comment tu veux te battre avec le prince à cause d'une femme? Le prince oh. Atogo n'est pas juste n'importe quel genre de fille. Même si le prince va me combattre à cause d'elle, Atogo est une femme spéciale pour moi. Et je l'aime. Ok. J'aime cette fille. Mon prince. Bonne journée, mon prince. Mon prince. Comment allez-vous? Nous allons bien. Je t'ai apporté les cadeaux. Les cadeaux? Oui. Cet argent va te suffire pour aller t'installer. Peu importe, je veux dire, prends de l'argent, quitte ce village et vas-y commencer une nouvelle vie. Peu importe l'endroit de ton choix. Mon prince, tu ne peux pas me demander de ne pas retourner dans ce village. C'est mon village. Ici, c'est ma maison. C'est vrai? Ok. Tu as raison, mais tu vois, ça ne me concerne pas de ce que tu vas faire. Retourner, ne pas retourner. J'ai besoin que tu te trouves un moyen qui peut te permettre d'être loin d'Adogo. Est-ce que tu comprends? Écarte-toi de ma femme Adogo. Mon prince, nous avons déjà mis les choses au clair. Et je vous avais dit, je ne peux pas faire ce que vous me demandez de faire. Je suis désolé, je ne peux pas. C'est vrai? Écoute un peu. Tu sais que tu as besoin de cet argent. Bouti. Toi et moi savons que tu en as besoin. Toi et moi savons que tu as besoin de cet argent. Je veux dire, regarde-toi. Ouvre un peu, jette un coup d'œil. Toi et moi savons que tu l'as besoin. Prends cet argent et quitte ce village. Je te promets, il n'y a personne qui l'écoutera. Avec votre respect, je ne peux pas l'accepter. Et malheureusement, nous étions sur le plan de sortir quand tu es arrivé. Bien, désolé, vous allez nous excuser. J'ai quelques affaires à récupérer. Allons-y. Mon prince. Qui est ce type qui l'accompagne? Je n'ai aucune idée, mon prince.
découvre-le pour moi. D'accord, mon prince. Tu buvais, mais tu en as trop bu. Comme si quelque chose t'est tourmenté. J'ai besoin d'une autre bouteille. Quoi? Une autre bouteille? Non, 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 tu n'auras plus. C'est déjà trop. J'ai dit, ajoute-moi encore une bouteille. Je ne peux pas t'apporter une autre bouteille. Regarde toi-même. Ajoute-moi encore une bouteille. Maintenant. Mon prince, je suis désolée. Peu importe ce que c'est, j'en suis désolée. Dégage. Je dis dégage, vite. Dégage. Quitte-la. Nobody don't touch my heart like you. Nobody don't do me the way you do. I've never felt this way for anybody else. The way I feel for you. Baby, the way you all the way you walk, all the way you talk, the things you do, how you there do it, makes me fall in love with you. You changed my life. You changed my world. You changed everything bad in my life. You changed my life. You changed my world. You changed everything bad in my life. You are my sunshine. You are my sunshine. Now you be my sunshine. You are my sunshine. Oh. Nobody don't touch my heart like you. Nobody don't do me the way you do. I've never felt this way for anybody else. The way I feel for you. Baby, the way you smile, or the way you laugh, or the way you walk, or the way you talk. The things you do, how you there do it, makes me fall in love with you. You change my life, you change my world, you change everything bad in my life. You change my life, you change my world, you change everything bad in my life. You are my sunshine. You are my sunshine. Now you be my sunshine. Très vite, dégage! Dégage! Dugo!
Adougo! Ça appartient à qui cette valise que tu sors? Votre Altesse, c'est Tantine encore. Allons-y. Mon enfant, retourne la valise et laisse-nous. Votre Altesse. S'il te plaît, mon enfant, ne t'en va pas, je t'en supplie. S'il te plaît. Ma reine, rien que vous pouviez dire m'empêcherait de partir. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Il n'y a aucun espoir pour moi de devenir la prochaine reine de ce royaume. Je n'espère même pas épouser ton fils, le prince. Je suis une femme et je mérite d'être traitée mieux que ça. Mon enfant, pardon. Pardon. S'il te plaît. Votre fils m'a tellement humiliée. Et il en fait trop. Et je ne peux plus supporter ça, ma reine. Écoutez, je ne dirai rien contre vous, ma reine. Mais je ne peux jamais, aucun jamais être avec votre fils. Pas du tout. Je dois m'en aller. Et merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je dois juste... Désolée, je dois m'en aller. On a beaucoup attendu. Pourquoi pas rentrer et on pourrait revenir pour lui. T'inquiète, ça va. Ça va, patiente-toi encore. S'il te plaît, viens, viens. N'aie pas peur, je ne suis pas venu te faire du mal. Je suis venu en paix. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je n'ai pas l'intention de te faire du mal, ok? Je ne peux pas te faire du mal. Viens, s'il te plaît. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Oh, tu as peur de quoi? Pardon, je vous en prie. Je viens de te dire que je suis un homme nouveau. Je ne suis pas venu pour te faire du mal. Oh mon Dieu, mon prince, je suis désolé, je suis désolé. Il dit qu'il est désolé. Je t'ai dit que je suis une nouvelle personne. Je suis venu en paix. Hein? Oui, j'ai besoin de faire une conversation avec toi. Avec moi? S'il te plaît. S'il te plaît. Je suis là. Non, tu es très loin de moi. Mais je lui dis que j'ai changé. Je venais de te dire que je suis une personne modèle. J'ai besoin d'avoir une causerie paisible à deux. Hein? Oui, viens. Je n'ai pas seulement prince. Mon prince. Non, ça ce n'est pas nécessaire. Tu ne peux pas le faire. Debout. Debout, mais debout. Je dois saluer mon prince, non? Ok, viens. Assieds-toi. Ah non, pas près de mon prince, non. Ah, je ne vais pas m'asseoir près du prince. Ah. Je suis bien ici. C'est ok ici. Ok. Comme tu te trouves à l'aise dans cette condition. Oui, monsieur. Comme je venais de dire, j'ai besoin d'avoir une causerie paisible avec toi. Ok.
Mais tu ne peux pas t'asseoir par terre tel que je viens de dire. Je suis un homme nouveau. Tu ne peux pas voir peur de moi. Allez, touche ma main. Touche ma main. Touche-la. Laissez-moi, messieurs, mes mains, mon prince. Je m'assois. Je suis assis. Non. Sois. Je suis confort. Très confortable. Ok, c'est beaucoup mieux. Ok, écoute. Je suis venu te voir maintenant parce que j'ai besoin que tu m'aides à trouver la solution à un problème. Ok? Et en retour, je ferai de toi un homme heureux. Oui. Tu vois cet argent? Ça t'appartient. C'est ça, prends-le. Mon prince, c'est pour toi. Et je te promets, c'est vraiment peu par rapport à ce que tu auras si tu m'aides. Hé, mon prince, ça c'est trop pour moi. Laisse-moi prendre juste un. Il veut se prendre un billet. Je dis tout, ça t'appartient. C'est ça. Mon prince. Il est à l'aise maintenant. Confortable. Adogo n'est pas quoi, hein? Nous ressentons comme ça parce qu'elle est la seule fille belle dans ce village. Elle te fait ressentir comme si elle est belle et tout pour toi, hein? Ceci n'est pas la question de elle est bon ou elle n'est pas bon pour moi. Non, tu as tout à fait tort. Écoute-moi, Okwe, je l'aime. Ah, c'est simple. Ça encore, Oga. Tu perds la tête. Tu perds la tête, mon cher. Tu ne fais que ça pour de l'argent. Ah, arrête-moi ça. Si au moins on essayait d'aller ailleurs et de quitter ce village, il y a tellement de femmes ailleurs. De bonnes femmes, grosses, belles et riches. Tu ne veux que cette fille. Pourquoi? Arrête ça, s'il te plaît. Arrêtez quoi? Hein? Arrêtez quoi? Écoute-moi très bien. Laisse-moi te dire une chose. À cause de cette fille, tu seras rejeté par le prince très loin. Qu'est-ce qui t'arrive, mon cher? Regarde, laisse-moi te dire. L'amour, ça se balaye. Mais si l'autre entre, elle va toujours sortir. Et la meilleure va la remplacer. Quitte cette fille, je te dis, mon cher. C'est pour ton bien. Mon cher, oublie-la. Juste que tu ne comprends pas. Ça va, Chinaza? Je vais bien, mon prince. Ça fait maintenant longtemps que je t'ai cherché partout. Comment ça, mon prince? Bien, j'ai quelque chose de très important que j'ai besoin de causer avec toi maintenant. Si cela ne te dérange pas. Tu sais, je comprends que tu entretiens de bonnes amitiés avec Adogo. Je pense qu'elle t'a déjà dit de mon intérêt à sa personne. Mais ce qui est sûr qu'elle t'a pas encore dit, c'est comment c'est profond. Comment cet intérêt est vraiment profond. Je veux dire, combien je l'aime. Chinaza, j'aimerais que tu me fasses une faveur. S'il te plaît, un instant. C'est à toi cette enveloppe. J'aimerais que tu m'aides. Dis à ton ami. Dis-lui combien je l'aime. Je suis sûr que tu peux le faire. Je suis désolée, mon prince. Je ne pense pas avoir la bonne position pour lui dire combien vous l'aimez. Et si vous l'aimez, alors
Dites-le-lui vous-même. Vraiment navré, mon prince. Si vous l'aimez, dites-le-lui vous-même. Désolé, mon prince. Ton ami est difficile, ne veut pas négocier facilement avec moi. Mais je sais que tout ira mieux. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu. Cet argent est pour vous deux. Mais faites un partage égal. Mais ne prends pas une grosse somme. Fais le partage égal. Et vous deux quittez ce village. Quittez ce village maintenant. Oui, mon prince. Mmh? Oui, mon prince. Je ne vis plus dans ce village. Aïe, aïe, aïe. Nous sommes riches. Nous sommes riches. Ça, c'est l'argent. C'est quoi ça? Ah. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? C'est l'argent, n'est-ce pas? Ego! Okwe! Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi ça? Oh gars, ça c'est l'argent. Ça c'est l'argent. Ça... Mais tu vas arrêter, ça c'est l'argent, mon cher. Tu vois pas? Hein? Okwe! Okwe! Je suis tellement déçu de toi! Bouchi, est-ce que ça va? Est-ce que tu plaisantes? Mon cher, ça c'est l'argent! Ça c'est l'argent! Hein? Nous sommes ailleurs! Ça c'est l'argent qui pourrait satisfaire tout ce qu'on aura besoin! Prenons cet argent et quittons ce putain de village! Okwe, tu es en train de provoquer mes nerfs! Je t'avais interdit sévèrement! Je t'avais interdit! Mon cher, arrête ces bêtises! Arrête ces bêtises! Ça c'est l'argent! Tu es allé sur mon dos. Tu as pris de l'argent de mon ennemi. Tu es en train de me demander de quitter l'amour de ma vie. Arrête-moi ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu veux être pauvre toute ta vie? Hein? On a trop souffert. Ça, c'est la seule chose que la vie nous donne comme opportunité. On doit le faire. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je ne veux pas être un pauvre. Si tu veux être un pauvre, je ne serai pas un pauvre à cause d'un ami. Même cette fille l'acceptera. Tous ces sacrifices, c'est pour rien. Si le prince me présente la reine... Ah, tu m'emmerdes. Sors de ma maison. Sors. Je ne veux plus te revoir. Sors de ma maison. Je ne veux plus que tu puisses mettre tes yeux dans mes affaires. Comment es-tu? Hein? Tu es supposé être mon ami. Je te dis tout ce qui se passe dans ma vie. Et tu pars derrière mon dos pour me trahir. Je ne veux plus jamais m'occuper de tes affaires. Cette amitié est terminée. Je ne veux plus jamais m'occuper de tes affaires. Insensé. Laisse-moi te dire, devant cet imbécile, peu importe ce qu'il fera, peu importe le prix qu'il me trouve, je ne te quitterai jamais. Jamais. Même s'il me propose beaucoup d'argent. You are my sunshine. Now you be my sunshine. You are my sunshine. Oh. Bon, bonjour, mon prince. Oui. Mon prince. Ça, c'est votre argent. On ne peut pas le prendre. Mon ami est très fâché. Hein? Je sens comme si je l'ai trahi. Hein? Récupère votre argent. Je n'ai rien pris au-dedans. C'est au complet. Juste prenez votre argent. Moi, je pars. Hein? Merci. Mon prince, j'ai quelque chose à vous dire.
Je ne sais pas comment vous allez la percevoir, mais ça vient du cœur. Adogo et Bucci s'aiment vraiment beaucoup. Je suggère ou je conseille que vous cherchiez quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Hein? Je suis juste en train de conseiller, je ne sais pas de faire. Il me prodigue les conseils. Oh mon maman, tabassez-les. Il se joue de moi. Frappez-les très fort. Je vois que tu es un homme fort. Tu es un homme courageux. Bien. Mon offre est toujours intacte. Tu as juste encore un jour. Encore un jour. Tu n'as rien mangé pendant toute la journée. Laisse Adogo partir. Tout le village se moque de toi à cause de cette fille. Tu sais que tu es un homme fort. Tu ne peux pas laisser cette petite fille blaguer avec toi de cette façon. Tu avais refusé de retourner à l'école. Et tu avais aussi refusé de faire quelque chose. Si tu veux vraiment te marier, il y a des filles, des jolies filles. Je ne veux pas une autre fille, maman. Je vais seulement Adogo. Onye Bucci, moi je te mets en garde pour la toute dernière fois. Accepte mon offre et sois loin d'Adogo. Ah, mon prince, je t'ai dit pour la dernière fois, je ne peux pas. Je refuse. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Comment oses-tu? Laisse-moi entrer! Laisse-moi entrer! Je veux le voir! Laisse-moi entrer! Je veux voir ses fesses! Je veux avoir la permission de le voir. Laisse-moi entrer, laisse-moi. Je vais crier sur lui. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Laisse-moi entrer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Votre Majesté, Votre Majesté, Votre Majesté. Qu'est-ce qu'il y a? Dis à ton fils de me laisser tranquille. Dis-lui de me laisser tranquille, de me laisser tranquille. Calme-toi, ma fille. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle a déjà dit qu'elle ne va pas se marier avec toi. Pourquoi forcer? Maman, tu sais qu'elle n'a pas dit ça. Moi, je suis le prince. Le prince héritier de ce royaume. Je ne veux pas qu'un autre homme épouse la fille que j'ai déjà vue. Mais Adogo l'a fait. Pourquoi n'acceptes pas tu cela? Maman, je venais de te dire qu'elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit ça. J'aime cette fille et j'aimerais ce qu'elle soit ma femme. Et tu penses que si elle devient ta fiancée, elle va vraiment t'aimer? Maman, tu as dit fiancée? Oui, c'est vraiment ça. Maman, cet imbécile n'a pas même la qualité d'avoir une bague qu'il peut la proposer. Adogo et sa mère ne le veulent même pas. Sa mère me préfère, moi, comme son beau-fils. Est-ce que peux-tu le comprendre? Tu sais quoi?
J'aime cette fille. Je l'aime de tout mon cœur. Si je ne l'ai pas, personne ne l'aura. Oui, s'il te plaît, chérie, qu'on parte d'ici. Non, 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 Adam, ne recommence pas. Regarde ce qu'il t'a fait. Tu crois qu'il va s'arrêter là? Écoute, partons, fuyons d'ici, partons. Loin d'ici, je sais pas où, là où les gens ne vont pas nous voir, partons. Adam, ce n'est pas la chose honorable à faire. Je ne veux pas te voir couper les ponts avec ta famille. Oublie un peu de l'honneur, Bouchi. Tout le temps, tu parlais de l'honneur par-ci, par-là. Ça m'est égal, hein? Je m'en fous de tout ça. Partons juste quelque part où nous serons tranquilles. On va vivre ensemble, je t'en prie. Ok, Bouchi? Je ne peux pas. Tu peux pas? Bouchi, pourquoi tout le temps que je fais des efforts à te donner des idées que peut nous permettre de vivre ensemble, tu refuses? Ada, s'il te plaît, arrête ça. Non, je ne veux pas m'arrêter. Je suis une folle. Je suis la seule qui est amoureuse ici. Je ne te comprends pas. Apaise-toi. Écoute-moi. Regarde. Je ne peux partir nulle part. Je veux rester et me battre. Uchi, tu ne peux pas te battre avec le prince. Regarde ce qu'il t'a fait. Tu ne peux pas te battre avec lui. Mais tu peux pas, tu ne devras pas te battre avec lui, s'il te plaît. Allons, je sais pas moi, à qui t'en dis. Non, c'est ça que je veux faire. Je veux me battre pour ton amour. Comment devrais-je m'enfuir comme un lâche? S'il te plaît, juste apaise-toi, d'accord? S'il te plaît. Si tu m'aimes comme tu le prétends, on partira demain. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas m'enfuir avec toi. S'il te plaît, ne me demande pas de le faire. Ça, c'est pas vrai. Tu ne m'aimes pas, je comprends que tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas, Gucci, tu ne m'aimes pas, Gucci. Sois calme. Ça va, ça va. Laisse-moi. Ada. Ada, attends. You are my sunshine. Now you be my sunshine. You are my sunshine. Alors quitte devant ma maison. Adogo, s'il te plaît, calme-toi. Je suis désolé, ok? Je suis désolé, j'étais vraiment en colère aussi, jaloux. S'il te plaît, ce que j'ai besoin de te faire comprendre que il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas comme moi je t'aime. Ce garçon est uniquement avec toi parce qu'il est incapable de quitter ce village. Il est incapable d'aller ailleurs. Mais Adogo, regarde-moi un peu. J'étais partout dans le monde, j'ai vu les femmes de tout genre. Mais je continue à te suivre parce que j'ai laissé au fond de mon cœur que je t'aime. S'il te plaît, je vais te donner une meilleure vie. Je t'offrirai une vie de femme de classe digne de ton niveau. Pucci, va me choisir aujourd'hui et demain et pour toujours. Non, 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 non. Ça, c'est ce que toi tu penses. Il te ment. Mais bien sûr. Tu sais quoi, ma belle? Tout homme a son prix. Découvrons ensemble ses prix. Il m'a fait juste comme ça. Il m'avait promis. Il m'avait rassuré qu'il m'aimait. Mais il est juste parti. Il est parti seulement comme ça sans rien me dire. Je suis restée comme une idiote. Je suis vraiment une folle. Je suis folle, non? Je suis vraiment une pauvre folle. Je ne suis rien du tout. 1 million de naira.
naira. 1 million de naira ordinaire. Incroyable. Et tu vois, l'argent n'a pas attendu une année pour lui convaincre. Je ne peux pas croire qu'il t'a abandonné à cause de cette somme d'argent. L'homme, qui es-tu? Hey! Que Dieu m'en préserve. Hey! Je pensais que Bouchi était différent. Hey! Adogo, cesse de pleurer. Remercions Dieu qu'il ait dévoilé son comportement maintenant. Imagine si vous étiez marié et que vous avez déjà un enfant. Ah. C'est une très grande chance que tu as. Désolée, tu trouveras un homme qui t'aime réellement. Cesse de pleurer. Il l'a vraiment fait. Vraiment. Moi aussi, je suis surpris. Je ne croyais pas qu'il allait prendre cette offre. Adogo, j'aimerais que tu saches une chose. Bouchi t'aime tellement. Mais supporter la pression du prince, c'était devenu assez pour lui de supporter. Je savais que Bouchi n'est pas bien pour toi.
Lui, le prince, il va prendre soin de toi. Et d'ailleurs, il va te scolariser et tout va se passer bien. Je sais que peu importe comment j'essayais de te faire comprendre combien je t'aime, je ne serai jamais capable de le faire parce que tu me considères comme un monstre. Je le comprends. Mais je te promets, pour la première fois dans ma vie, j'ai besoin de faire mieux, plus mieux. Et tout ceci, c'est à cause de toi. Je ne le dis pas avec complaisance. Ça, c'est moi, en chair et en os. Je t'aime beaucoup. Je t'aime de tout mon cœur. J'ai besoin d'être honoré et avoir une grande bénédiction dans ma vie. Ça sera mon honneur si tu viens dans ma vie pour faire un seul monde. Et c'est parce que tu as fait de moi un homme heureux en devenant mon fiancé. J'espère que tu aimes la bague. Bien, déjà en avance, je vous donne mes bénédictions de père. Vous aurez beaucoup d'enfants, filles et garçons. Oui, c'est ça. Vous savez quoi? Je suis déjà très impatient pour le jour du mariage. Tous les royaumes vont tomber juste pour toi. Merci d'avoir accepté mon fils. Merci à toi. Maman? Tu es la bienvenue dans les palais royaux. Et merci d'avoir changé mon fils à une meilleure personne. Partons. Alors, papa? Oui, nous allons à bientôt. Rentrer bientôt. Très bien. Je ne peux pas croire que la prochaine reine de ce royaume est mon amie. Regarde, je veux me faire belle. Je veux dire me sentir mieux dans ma peau. Peut-être qu'un important homme de valeur me verra et m'épousera. Aussi longtemps qu'Ejike ne sera pas là pour moi. Et aussi, je veux que ça marche pour toi. Oh, mon or, tu sais que tu as une peau claire. Tu dois vraiment ressembler à une princesse. Je ne sais pas si c'est une bonne décision. Arrête! Arrête ça! Bien sûr que oui. Ceci est la meilleure décision que tu n'as jamais eue. Bouti t'a abandonné. Alors quoi? Ça s'est perdu. Maintenant, tu as la responsabilité d'être la future reine du royaume d'Undago. Alors ne cherche pas à passer à côté de tout ceci. Tu m'attends? Crois-moi. Alors maintenant, allons planifier autre chose. Alors, qu'est-ce que nous allons choisir pour nos jambes? Je pense vert. Non, tu vas aller en doré. Doré et noir. Oh oui, et je mettrai vert et... Violet? Non.
Oh, allez, souris. Après quoi, tu vas marcher comme une princesse. Je suis contente. Je suis heureuse pour toi. Alors, je ne peux pas toujours appeler la nourriture. Je sais qu'il y a des servantes qui préparent, mais celle-là est préparée par toi. Regarde, tu dois leur montrer que tu sais préparer. Et tu dois manifester ton amour en servant celle ou le prince. Tu sais que l'amour se manifeste dans des petites choses, donc voilà pourquoi on a chanté cette chanson. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Tu es sûr? Oui. Amène ça pour le prince, ok? Hein? Serre-le toi-même, ok? Ne permets pas aux servantes, hein? Il faut seul le servir. Il faut avoir un sourire sur ton visage. Montre-moi un peu. Voilà, c'est ça. Quand tu vas le servir, tu lui donnes le côté gauche et tu lui donnes le côté droit, ok? Allez, va le servir. Montre le côté gauche, je vais voir. Ok, c'est bon. Allez, il faut bien le montrer comme ça, là, ok? Oh, maman, ok, c'est bon. Vas-y. Ça. Oh, Adogo, je ne suis pas du tout contente de ce que tu fais. Qu'est-ce que nous faisons présentement chez Bouchi? Ok, imagine si quelqu'un nous voyait ici. Il se fera des idées sur nous. Chinaza, ne vois-tu pas ce que je vois? Voir quoi? Mon ami, je ne vois rien du tout. Je ne vois absolument rien. Sortons d'ici, s'il te plaît. Attends. Tu ne vois pas tout ce que moi je vois. Ça, c'est le sac de Bouchi. Et tout est en ordre. Non, je... Nous l'avons arrangé ensemble. Toutes ces choses sont là. Il se peut qu'il s'est fait de nouveaux vêtements. N'oublie pas que c'était 1 million de naira. Chinaza, c'est ce que tu as le mieux à dire. Qui veux-tu que je dise d'autre? C'est que, juste. Attends. On a arrangé tout ça ensemble. Alors, je ressens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est juste que je ne peux pas commencer à fouiller, mais c'est un peu drôle. Je comprends pas du tout ça. Ok. You changed my life. You changed my world. You change everything bad in my life. You change my life. You change my world. You change everything bad in my life. You are my sunshine. You are my sunshine. Quoi? Écoute ma belle. Mon amour, écoute. Tu vois, je voudrais que ce mariage atteigne un standard. Oui. Je voudrais inviter des grands musiciens. Je vais inviter Omo Blibo, Flaveur, P-Square. Celui qui a des longs cheveux. Donc, je veux assez qu'il sache que l'héritier du trône est en train de faire le mariage. Le monde entier parlera de ce mariage. Est-ce que tu sais que je parlais avec le président? Le président m'a dit qu'il sera déjà au pays dès la semaine prochaine. Donc, lui aussi sera notre invité. Est-ce que tu sais que si Beyoncé ne m'avait pas dit qu'elle a un concert ailleurs, hein? Elle devrait être là, elle devrait être là. Mais elle m'a dit qu'elle doit retourner. Les gens vont aimer. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je voudrais donner l'honneur à ce mariage en faisant appel à Beyoncé. Je ne veux pas ce que, tu vois, je ne veux pas que tu apparaisses vraiment très pauvre. Donc, tu iras avec ma mère à la boutique. Elle va te chercher des bons vêtements pour que tu apparaisses plus belle, très propre, très classique, pour que Beyoncé ne te trouve pas comme ça. Je ne veux pas que tu t'habilles comme ça. Non, 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 ça c'est vraiment local. Tu comprends? Alors, s'il te plaît, hein, il faut comprendre que je veux que tu me rendes fier. Je veux que le monde sache que j'ai épousé la plus belle femme.
Tu comprends ce que je veux dire? C'est ce que va se faire. Je sais que tu le feras. Donc, au moment où... Beyoncé va sortir pour ouvrir la piste de danse. Elle comprendra que j'ai aussi une Beyoncé africaine. Beyoncé africaine. Oui. Oui, bébé. Oui. Tu n'aimes pas Beyoncé? Je vais appeler Anaïs Dead. Nous avons beaucoup à se dire. Hein? Ok, d'accord. Ok, c'est de ce côté. Allez-y, rentre et continuons à planifier comment ça sera. Il y a un problème. Il est vraiment mort. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Quoi? Quoi? Je ne vous ai pas demandé de les tuer. Simple instruction. Lui faire accepter mon offre et lui laisser partir. Que se passe-t-il avec vous? Quel genre de personne êtes-vous? Désolé, mon prince. C'est quoi au juste ce que vous avez fait? Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors, où est-il? Où est-il? Nous l'avons laissé là-bas, mon prince. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait quoi? Est-ce que ça, ce n'est pas la folie? Vous le gardez là-bas pourquoi? Écoutez maintenant. Partez là-bas maintenant. Enterrez son corps. Couvrez-les. Ne laissez aucune trace et rentrez vers moi. Est-ce que c'est compris? Oui, mon prince. Est-ce que c'est compris? Oui, mon prince. Comment vous pouvez faire une telle erreur? Allez-y vite là-bas et enterrez-les. Est-ce que vous me comprenez? Couvrez son corps. Soyez sûr qu'une autre personne le voit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Adogo, tu as fait quoi? Il n'y a rien du tout. Non, attends. C'est toi qui as tué Bucci? Non, je ne l'ai pas fait. Tu as tué Bucci? S'il te plaît, s'il te plaît, Adogo, s'il te plaît, Adogo, non, s'il te plaît. Non, je ne l'ai pas fait, s'il te plaît. Non, ne me fais pas ça, Adogo, ne me fais pas ça, je ne l'ai pas fait, pardon. Non, Adogo, s'il te plaît, Adogo, calme-toi, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, Adogo, calme-toi, hein, calme-toi, Adogo. Je n'ai rien fait de mal, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Adogo, s'il te plaît, calme-toi, Adogo. Hé, hey, Adogo, s'il te plaît. Hé, s'il te plaît, Adogo. Non, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Non, Adogo. Non, s'il te plaît. Non, Adogo, pas jusqu'à ce niveau, Adogo. Calme-toi. Adogo, calme-toi, Adogo. Non, Adogo, ne me fais pas ça, ce n'était pas moi. Non, Adogo, ce n'était pas moi, Adogo. Non, ce n'était pas moi. S'il te plaît, Adogo, ce n'était pas moi, s'il te plaît. Je vais prendre la charge, s'il te plaît, laisse-moi. Thank you.
ce que tu préfères. Souhaites-tu partir d'ici pour avoir une meilleure vie en ville? Ou d'ici jusqu'à dans ta tombe? Non, dis-moi. Oui, dis-moi. Si tu me dis pas, je te tuerai. C'est vrai. Si tu m'as accouché, c'est vrai. Je veux te tuer. Je veux te tuer. Tu vas mourir. Je te promets que tu vas mourir. Je ne veux jamais te laisser mentir. Je vais te tuer. Je te promets, Bouti. Fermez les coffres. Ne m'enfermez pas. Ne m'enfermez pas. Vite. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Laissez-moi. Laissez-moi sortir. Ah! Ah! Adougo, je ne l'ai pas demandé de le tuer. Arrête, s'il te plaît, arrête. Adougo. Il est en vie. Adougo. Je suis là. Je suis sauvé. Je Adougo. Tu vois maintenant, je te l'avais dit. Je ne l'avais pas tué. Tu vois maintenant, il est en vie. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit, Adougo. Je t'avais dit que je ne l'avais pas tué. Je t'avais dit que je n'ai tué personne, Adougo. Je suis un bon homme. Je t'aime, Adougo. Je t'avais dit que je ne l'avais pas tué. Adougo. Adougo, tu vois maintenant qu'il est bien. Tu vois, il est maintenant bien. Adougo, arrête. Je vais te tirer si tu n'arrêtes pas maintenant. Arrête. Écarte-toi de lui. Écarte-toi. Tire-moi. Non, Adougo, quitte-la. Non, Adougo, je suis Adougo. Jaloux de toi. Non, Adougo. Non. Adougo. Adougo, non, ne fais pas ça. Adougo. 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 Non, 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 Adougo. Gars, c'est quoi ça? C'est quoi? Adougo. 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 Non, 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 s'il vous plaît. Non, 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 non. Non, Adougo, je t'aime. Non, non, je ne sais pas que tu es. Non. Faites-le descendre. Vite, descends. Avance, avance vite. Viens vite ici. Arrêtez-vous là. Non, non, arrêtez de le fouetter. Emeka. Votre Majesté, votre fils est sous arrestation pour l'atteinte des morts de Madame Adougo. Aussi le kidnapping de Monsieur Bouchi. Nous avons bon jugé de venir vous le dire parce que vous êtes le roi de cette communauté avant de l'amener au bureau de la police. Partons avec lui. Partons. Où je suis? Amène-le. Amène-le. Votre honneur, amène-le. S'il te plaît. Sa Majesté dit quelque chose. Ne nous laisse pas partir. Marraine, entrez là-bas. Dis quelque chose, non? Faites-les entrer. Maman! Maman! Sa Majesté, s'il te plaît, dis quelque chose. Pardon, Sa Majesté, papa. S'il te plaît, dis quelque chose. Il part avec lui. Il part avec lui, s'il te plaît. Maman! Mon fils! Arrêtez, mon fils! Mon fils! Sa Majesté! Sa Majesté, ils sont partis avec mon fils! Sa Majesté! Sa Majesté! Mon fils! Mon fils! Mon fils! Emeka! Maman. Sois le bienvenu. Merci, maman. Comment vous allez?
Adugo, comment te sens-tu? Je vais bien. Personnellement, je pourrais dire que j'ai une nouvelle amie sur mon estomac. Le bandage. Très marrante. Oh, chérie, viens t'asseoir ici. Oui, toi. Je t'ai apporté ça. Oh. Merci. Je t'en prie. Bucci. Maman. Merci. Je te remercie de tout cœur. Merci. Je ne sais même pas quoi te dire. Tu as toujours été gentil envers moi et ma fille. Et merci. Je ne peux que te dire ça. Tu as payé la facture de son hôpital, bien que tu n'en as pas assez. Cela prouve que tu aimes réellement ma fille. Maman, ça va. J'ai accompli ce que je devais faire. Merci. Je vous en prie. Je peux avoir ta main? Je te remercie. Vous devez savoir que je vous encourage dans cette relation. Maman? Oui, votre union, vous avez ma bénédiction. Maman. Maman. Merci, maman. Non. Ne t'agenouille pas, s'il te plaît. Regarde comment tu le dis avec amour. Maman. Ne te fais pas du mal. Merci, maman. Je vous bénis. Amen. Je vous bénis de toute la force de mon corps. Amen. Amen. Je prie pour la bénédiction et Amen. Prospérité. Personne ne peut venir prendre ce qui vous appartient. Amen. Amen. Je prie que Dieu vous donne des enfants qui vont vous rendre heureux. Amen. Amen. Et mes enfants, vous pouvez vous embrasser? Hein? Ou vous faites semblant? Oh, c'est quoi, tu peux pas les faire? Ou tu as honte de moi? Ok, c'est pas un problème. Je vais vous aider comme ça. Je tourne le dos. Hein? Je ne vais pas vous regarder. Super. Ah, vous voulez? On les a comme ils sont fils. Maman. Maman. Oh, non, reprenez encore. Je vous en prie. Oh, maman, tu es si marrante. Allez-y. Merci, merci. Attends, dis-moi, je te sers quoi? Ça ne me dérange pas, maman. Je te sers quoi, mon fils? Oublie-les, maman. Tu sais, depuis que tu es là, je ne t'ai rien servi, je ne fais que parler. Je ferai ça. Je ferai ça pour ta maman. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 90 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. My life, you changed my life, you changed my world, you changed everything bad in my life. Never seen anyone wait on.
the cure to my highness. You're the medicine to my madness. If you leave me, I go enter for coma. If you leave me, I go die. If you leave me, I go enter for coma. If you leave me, I go die. If you leave me, I go die.